Salut à tous, bienvenue sur le plateau du JT du Tour, 68e édition. Nous vivrons dans un instant la quatrième étape, le résumé de la quatrième étape entre Goyave et Pointe-Noire. Messieurs, une journée qui s'annonçait extrêmement difficile pour certains. Pour d'autres, eh bien, on devait faire la décision, on verra cela tout à l'heure. Mais pour nous aider à comprendre tout cela, bien évidemment, il y a Marc Pollin. Bonsoir Marc. Bonsoir et bonsoir à tous. Comment allez-vous ? Bien. Ce soir, plutôt bien, en effet, ça va. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas sur le vélo, mais bon, ça demande quand même. Hein. Ça demande des efforts qui ne sont pas les mêmes, et croyez-moi, c'est un marathon, et si on filmait tout ce que l'on fait dans la journée, on se rendrait qu'on fait beaucoup de choses. Et vous qui dépensez beaucoup de jus de crâne, mon cher Cédric, bonsoir. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Ça va. Pour l'instant, ça va. Pour aller jusqu'au bout ? Oui, oui, on commence à être rodé, on entre dans le, comme on dit, dans le rythme de la course, voilà. Vous rentrez dans le rythme de la course. Et je le disais il y a un instant, alors déjà, je voudrais... On a reçu un petit message, pas mal de petits messages de nos amis qui nous regardent sur le Facebook Live. On a salué la Martinique et l'île de France hier. Ce soir, nous partons, vous savez où ? Eh bien, vous allez nous le dire. Non, je sais pas, aucune idée. Un quiz. Waouh ! On va loin. C'est une bonne réponse. On va en Guyane, on va saluer la Guyane. Parce que nous avons aussi des téléspectateurs qui nous apprécient bien en Guyane et nous vous remercions d'être avec nous. Merci de nous faire confiance et passez une très belle soirée sur notre antenne. Vous allez donc suivre cette quatrième étape longue de 155 km entre Goyave et Pointe-Noire. Je vous livre de suite la carte de cette quatrième étape avec les difficultés annoncées. Vous savez, une expression vernaculaire qui dit « il va y avoir du dombré quand il y a de la montagne ». Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et c'est vous qui allez donc déchiffrer cette carte, mon cher Marc. Absolument, on attend qu'elle passe à l'écran, donc elle va se dessiner tranquillement. Donc un départ prévu à 10h pour 155 km, une balade donc qui va partir de Goyave. Goyave, nous prenons la route bien sûr nationale 1 jusqu'à donc Capesterre. À Capesterre, eh bien, on va donc toujours continuer sur la nationale. Et là, les premières difficultés arrivent, Bananier est passé. Et là, Salé, donc, première difficulté. Ensuite, Sapotier, et on continue tout droit cette fois, on va à l'Ermitage, où il y aura donc deux points montagne. Ensuite, on redescend Dolé, on repassera Trois-Rivières, et on reviendra monter Sapotier par le versant nord. On redescendra donc Sapotier et Salé, on retourne à Capesterre, et là, eh bien, on va longer la côte, donc, jusqu'à, bien sûr, la Nationale 1 dans un premier temps. On passe encore à Goyave, donc, sur la grande route, et là, on va donc aux alentours de Petit-Bourg pour ensuite attaquer donc, et rentrer dans les terres pour escalader donc, une première fois vers nous, donc une première difficulté. Ensuite, nous redescendons un petit peu du côté du Lamantin. Nous retournons donc, vers Bemaou en passant voir le Vélodrome. Une boucle donc, sur la rocade qui nous emmène jusqu'à Blanchard. Et demi-tour, on repart dans l'autre sens pour repasser donc, du côté, bien sûr, par la rocade, Bemaou. Et là, eh bien, on va retourner encore escalader vers nous pour la deuxième fois, ce sera le cinquième point montagne, et là, donc, en point d'orgue, les Mamelles, donc, qui nous attendent, 8 km d'ascension, et à 11 km de l'arrivée, la descente, attention sinueuse et technique, attention chute, l'arrivée en bas, donc, à Pointe-Noire, et là, nous connaîtrons, bien sûr, le vainqueur de cette étape au terme de ces 155 km. Allez, on vous l'a dit, il y aura du dombré, donc, sur cette quatrième étape entre Goyave et Pointe-Noire, qui sera invité à la table de cette quatrième étape. Bon, les équipes locales, vous voyez qui ? Bien, dans les équipes locales, tout reste possible, mais il y a aussi beaucoup d'équipes invitées. Dans les équipes locales, il y a Boris Karen. C'est pas une grande table, hein, c'est... Donc on ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter tout le monde parce qu'il y aura de la sélection. On peut s'attendre à une course, bien sûr, de mouvement, et on peut s'attendre peut-être à une victoire guadeloupéenne, et peut-être que Boris Karen peut endosser le maillot jaune, sachant qu'il arrive lui à domicile. Eh bien, je vous assure que la team Nicolas Dubois a, elle, envie d'être invitée à cette table. Et on va donc interroger son leader, Louis Sablon, avant le départ de cette quatrième étape. C'est ça, c'est la quatrième. Ouais. Eh bien, on va l'écouter de suite. Comment tu te sens et est-ce qu'on va te voir à l'avant aujourd'hui, essayer de remonter au général, puisqu'on sait que le team VCC Nicolas Dubois a de grosses ambitions. Oui, bon, aujourd'hui, c'est une première étape de vérité. C'est la première grosse étape de montagne. Pour moi, c'est la plus grosse. Donc, bon, il sera très important d'être à l'avant avec les meilleurs.
On va voir si ça attaque très fort, mais en tout cas, je me sens prêt. Je pense que je suis pas, pour le moment, je me sens pas fatigué, donc je me sens prêt à faire cette étape. Alors, la team Nicolas Dubois veut être invitée à la table, mais vous le savez, forcément, il y aura un règlement de compte à Hockey Corral. Hein, on est peut-être dans un western de Far West, en tout cas, c'est sûr que... Entre qui et qui ? Entre beaucoup d'équipes invitées et puis... Un duel. Duel CCD, bien sûr, avec le team ImoPro, puisque d'un côté... Ah ben, vous ne croyez pas si bien dire. C'est vrai. C'est parti pour le duel. Round 1, fight. Aujourd'hui, ils vont lancer les grandes offensives aujourd'hui. Comment vous allez faire pour le contrôler? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bon, ben aujourd'hui, comme on dit, pardon le jargon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Hein. Donc aujourd'hui, on va passer à s'exiger. Et je réserve une petite surprise à Douglas, là, le directeur de Timo aujourd'hui. C'est la fonction qu'il a, quoi? Donc, on n'a rien à perdre. Hein. Donc, c'est aujourd'hui qu'on va voir si on peut gagner le tour ou pas. Donc si vous suivez bien la stratégie, même si on perd un petit peu de temps, on ne va pas en perdre énormément. Quoi. Et le tour sera toujours jouable, les étapes qui vont suivre. Et au cas où ça se passe bien, qu'on peut garder le maillot, bah là c'est parfait. C'est bon ? C'est bon. FF, tu sais ce que tu as à faire ? Mickaël, c'est bon ? Les deux autres, Pierre et Thomas ? Oui, oui. Pas de problème. Et puis Pierre et Thompson ? Vous accompagnez les coups et puis Thompson, tu essaies de gérer un petit peu ton classement par points. Tout devrait se passer comme on espère. Eh bien, les consignes ont été données, le décor est planté. Qu'est-ce que nous reste-t-il? Eh bien, le décor planté reste à vivre ce scénario donc, les hostilités. Qui est annoncé, voir comment, entre les stratégies décidées et la réalisation, sera-t-elle conforme au désir des... directeur sportif. Eh bien, on va déclencher ces hostilités grâce aux images de Danick Narcisse au guidon de la moto. Eh bien, c'est Pierre-Guy Rettel. Les commentaires sont de Cédric Centime, notre fine lame, ou on va dire notre pistolero. Centime, c'est parti. Nous sommes dans la côte des mamelles. Le maillot jaune Mickaël Guichard est seul et tente de s'accrocher comme il le peut. Son retard est d'une minute 14 à cet instant et la grande bagarre des principautés n'aura bien eu lieu. La montée des mamelles a fait beaucoup de dégâts dans le peloton et la route est jalonnée de nombreux groupes. Guichard s'accroche, ne s'affole pas et garde un rythme constant dans cette ascension compliquée. Diego Milan Jiménez maillot à poids a lui aussi fait les frais de la violente explication entre les Carrez, Salinas, Rivera et Espitia. La grande bagarre est en tête de course, mais aussi à l'arrière pour Mickaël Guichard qui doit sauver son maillot jaune. Sauver le sanctuaire du team Proimo, voilà l'objectif de Pierre Almeida, dossard 4 qui accompagne son leader. Diego Milan Jiménez, quant à lui, a le groupe Luis Sablon en ligne de mire. Mais tout ce beau monde parviendra à limiter la casse avec seulement quelques secondes de retard sur les TGV de la tête de course. Voilà les montures des cavaliers du team Nicolas Dubois. C'est avec l'une d'entre elles que Luis Sablon tentera de s'illustrer dans cette étape résolument montagneuse. De son côté, le CCD se prépare. Le jeune et noir devrait trôner sur cette épreuve. On attend un grand Boris Karen. Séquence 13. Vous le savez, le maillot à pois rouge est la propriété de Diego Milan Jiménez. Le coureur du team Integra est un forcené. À l'attaque tous les jours, il ne désespère pas de faire sauter la banque. Reste à savoir comment il se comportera dans l'enfer de la Côte des Mamelles. Le maillot blanc, quant à lui, est sur les épaules de Collins Fayton. Le coureur du CSK compte sur cette étape de montagne pour distancer son principal concurrent au classement des jeunes, Noah Granigan. Diego Milan Jiménez a le regard déterminé de ceux qui n'ont pas dit leur dernier mot. Tiens, voilà Bruno Langlois, maillot vert. Le Canadien vainqueur hier a sorti sa botte secrète. Aujourd'hui, il devra serrer les dents pour rester au contact des meilleurs. 10h, c'est un départ lancé qui est proposé à la caravane. Les 110 rescapés de la route du Tour s'embarquent pour 155 km de course jusqu'à Pointe-Noire. Salé, Sapoti à deux reprises, l'Ermitage, Vernou également deux fois, plus les mamelles sont au menu. Il faudra avoir un très bel appétit. On ne change pas les bonnes habitudes, les premières tentatives se font jour. Yorman Fuentes du Guella Bikers se voit en rampe de lancement pour son leader John Nava. Martinez Urena du CCD est aussi de la partie, tout comme Pierre Bonnet du Team Proimo. Les grandes manœuvres ont bel et bien débuté. On imagine bien que les choses n'en resteront pas là.
Et au niveau de Capesterre, c'est Marcel Froese du Team Ambroise The Rold qui pointe le bout de son nez. Pour autant, cette escapade en solitaire ne durera pas très longtemps. Peu avant la Cassavrie, Froese est repris par un groupe imposant dans lequel il y a deux coureurs martiniquais. C'est toujours Froese qui assure le train et ce dernier n'est pas décidé à l'embiner. Comme prévu, la route s'élève, Froese est déjà dans le rouge et lâché par ses compagnons d'échappée. Un peu plus haut, Fabrice Cornelli du Team Nicolas Dubois est aussi à la peine. La montagne n'est pas sa tasse de thé. La matinée risque d'être indigeste avec une multiplication d'ascensions. En tête de distribution, on trouve Michael Stanislas de la Martinique, Galindo Rodriguez de l'USL, José Aguirre de l'équipe Ultra. Galindo est le plus dangereux au général, mais a certainement prévu d'attendre son coéquipier Salinas en très haute montagne. Nicolas Thomasson du Team Pro Imo est lui aussi aux avant-postes, comme Ignacio Sarabia de l'Intecha ou encore Kieran Barolet de l'UVN qui s'accroche en ce début d'étape. On reprend des nouvelles de Marcel Froese. Rassurez-vous, il n'a pas remis le couvert. Il est plutôt sur le point d'être repris par le peloton maillot jaune. En tête de course, il y a une nouvelle configuration. Luis Sablon du Team Nicolas Dubois, Rodriguez Galindo de l'USL et Diego Milan, encore lui, ont pris la poudre d'escampette. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça roule fort. On doit reconnaître beaucoup de panache à Diego Milan Jiménez du Team Intecha. Il fait montre d'une belle abnégation sur ce tour. C'est un bel exemple de ténacité à montrer aux plus jeunes. Même lorsque les choses semblent perdues d'avance, il se bat comme un samouraï. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Malgré cette bonne volonté manifeste, les fuyards seront repris. Jules Lenclume du vélo du club et de la Caraïbe mène la danse. Derrière lui, Luis Sablon est toujours présent. Kieran Barolin a également embarqué. C'est aussi le cas de Galindo et Diego Milan Jiménez. Les jours se suivent et se ressemblent pour Edwin Sanchez Anzola du CCD. Il emmènera un train d'enfer sur le plat et dans la montagne. Si Boris Karen gagne ce tour de Guadeloupe, il aura forcément plus qu'une pensée pour ce coéquipier. À l'approche des échéances sérieuses, les choses évoluent encore et encore. Stevie Joachim du Karukira PDL tente une sortie d'envers nous avec Patrick Collins du CCB Foundation. Une sortie qui a tout de l'attaque suicide. Ces deux-là ne tiendront pas longtemps. Derrière, le CCD enroule fort et ramasse tout sur son passage. Nous revoilà donc dans les mamelles. Boris Karen a dynamité le peloton et livre une féroce bataille à l'avant avec le bondissant Salinas et l'excellent Rivera Guerrero. Derrière, la lessiveuse a fait des dégâts et Eustache est à la peine. Allô maman, bobo. Vous l'aurez compris, la route est un vrai calvaire à cet endroit et surtout après plus de 130 km de course, le Martiniquais Yolan Sylvestre est dans le dur et voit s'échapper impuissant le groupe du maillot jaune. Grégory Blondin baisse lui aussi pavillon et doit gérer la montée à sa main. Le cyclisme est ainsi impitoyable. Lorsque les jambes ne répondent pas, plus rien n'est possible. Pour le maillot jaune, c'est un vrai contre-la-montre qui s'engage. Il faut perdre le moins de temps possible sur Boris Karen qui file vers la ligne d'arrivée avec les Mancebo, Salinas, Rivera, Guerrero, Espitia. Et on peut le dire, Guichard et Diego Milan doivent tout simplement rouler fort. À l'avant et malgré une chute dans les derniers kilomètres, Boris Karen, impressionnant aujourd'hui encore, a gagné le droit de disputer le sprint, mais il s'inclinera devant Salinas, le magnifique Colombien de l'USL. Paco Mancebo prend la deuxième place avec énormément de cran. Notez que Michael Guichard terminera à 17 secondes et conserve sa tunique jaune de leader. Une belle victoire de Jonathan Salinas. Une étape, j'ai envie de dire, brillante, en tout cas avec beaucoup de rebondissements, avec des coureurs qui ont mouillé le maillot, notamment Boris Karen. Mais au final, mon cher Marc, le gain est minime, est infime. Absolument, et c'est vrai que quand on voit ces images, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'animations, une bonne moyenne également avec toutes ces ascensions. On était sur un tempo de plus de 42 moyenne dans les deux premières heures. C'est vrai qu'après, c'était encore plus compliqué. Boris Karen, on pourra en parler, a quand même fait énormément d'efforts avant malheureusement de chuter à quelques
encablures de l'arrivée dans la descente, bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et puis derrière, bien, tous les gros bras se sont un petit peu, donc, se sont expliqués. On va le voir, les écarts sont minimes. Et puis, on a eu surtout un fantastique maillot jaune qui a cédé au sommet donc, de la côte des mamelles. Alors qu'il était à 1 minute 15 donc, au sommet, eh bien, il est revenu donc, comme un boulet de canon. On dit que c'est le meilleur descendeur de France. On connaissait ses qualités, mais là, il a montré qu'il était descendeur. Il sait choisir ses trajectoires. Absolument. C'est un champion de motocross et un champion de ski. Donc, il a impressionné vraiment toute la caravane parce qu'il descendait. Tous les coureurs l'ont vu passer. Ils se sont dit, mais il va aller à la chute. Il a failli y aller également parce qu'il a failli faire un beau tout droit. Mais en tout cas, il a rééquilibré la situation. Et à l'arrivée, comme tu le dis justement, malheureusement pour l'ensemble des Guadeloupéens, Boris ne prend pas le maillot. Il se rapproche quand même. On va voir que les écarts sont très réduits. On s'est expliqué, mais le classement général reste ouvert pour tout le monde. Ceci étant, dans le casting que nous avons fait avant le départ, avec Louis Sablon, Boris Carène et la team Pro-Imo, ils étaient à l'avant, ils ont essayé d'appliquer leurs consignes, et le directeur sportif disait que si on garde le maillot, c'est bien. Mais Cédric, il faut dire que Boris s'était déjà beaucoup employé dans les premières étapes, encore aujourd'hui, pour boucher 2 minutes et demie. Il lui a manqué un petit peu de jus quand même sur la fin. Oui, je pense qu'il lui en a manqué beaucoup parce que depuis le début de ce tour, il roule quasiment seul à 80% du temps. Et 20 autres pourcents sont à mettre à l'actif de Sanchez Anzola qui fait quand même le travail. Mais Boris Carène a fait un travail hallucinant aujourd'hui, à tel point qu'on se demande, on se dit mais qu'il fallait peut-être mieux qu'il attaque lui-même parce que de fait, il a le poids de la course sur les épaules. Donc il roule en n'étant pas maillot jaune, il doit combler en retard, ses coéquipiers sont devant, on ne sait pas ce qu'ils font devant. Et là, il arrive dans la montagne, grosse bagarre avec les principaux ténors, mais à un tel niveau, Rudy, 140 km d'effort, vous êtes en plus dans une ascension de grande taille, c'est normal que vous laissiez quand même quelques forces, vous n'êtes pas surhumain quand même. Espitia, encore une fois, a montré de vraies bonnes dispositions. Hein. Alors, je crois qu'il est clair que ce garçon est sûrement un vrai leader. Maintenant, si on l'a recruté pour faire le grégario, c'est comme si vous voulez embaucher un patron pour jouer le rôle d'employé. À un moment donné, ses qualités naturelles vont revenir. Et il est clair que ce garçon a des qualités, donc il peut faire beaucoup de travail. Mais il est clair que dans la stratégie Macombou, autant on sait que c'est Jean-Philippe Burac qui a été clair. Et vous avez vu à travers les images qu'elle était appliquée à la lettre et que ses pronostics se sont révélés vrais. Du côté, du CCD, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un peu du n'importe quoi. Ils ont laissé beaucoup d'efforts et on s'inquiète toujours de voir. On laisse partir le maillot jaune hier, on laisse partir les gens dangereux et après on roule énormément. Donc forcément, on laisse beaucoup d'énergie. Donc là, on a une stratégie qui va complètement à l'encontre de ce qui devrait être. Et malheureusement, ben, ça se paye cash à l'arrivée, mais rien n'est perdu, bien sûr. Et puis, que dire de ce Jonathan Salinas qui a répondu coup pour coup à toutes les attaques? Alors, nous, personnellement, puisqu'il a gagné le Tour de la Martinique, on le connaît bien et on sait qu'il est capable de beaux exploits. C'est un grimpeur, donc quand il met en route, eh bien, il fait ses affaires, il s'occupe de personne. Donc, je l'avais annoncé hier dans le largement 20e ou 2e, et il a gagné, donc il n'est pas surprenant. Il est petit, c'est un petit modèle, c'est un grimpeur. Il a été capable déjà de réaliser de grands exploits, donc il est parti pour faire sûrement un très très bon tour. En plus, il est bien entouré, il n'a pas fait de bruit, il va faire ses affaires. Maintenant, c'est vrai qu'il a de la concurrence, mais dans la montagne, il sera là. Petit modèle, gros moteur, on écoute ses réactions juste après l'arrivée. Belle victoire aujourd'hui à Pointe-Noire. Oui, belle victoire, et merci à toute l'équipe, un bon travail. Et félicitar a toute l'équipe. Aujourd'hui, la victoire pour Yussel. De verdad, belle victoire. La Vuelta de Guadalupe, une carrière très difficile? Non, bonne carrière, normal. La Tour de la Guadalupe, 10 étapes difficiles, mais j'ai bien préparé la compétition. Le Tour est une compétition très difficile, mais il a bien préparé cette compétition. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Est-ce que tu peux aller chercher le maillot jaune de Boris Carène? La camiseta d'oro. Moi, j'ai tenté la prochaine étape de monter, si c'est possible. Bon, sinon, petit à petit. Petit à petit, il pense aller chercher ce maillot lors de la prochaine étape de montagne. Et alors, en tout cas, on a René Wolf-Béral qui interrogeait Jonathan Salinas, a dû parler avec son cœur. C'est pas encore pour aujourd'hui le maillot jaune de Boris Carène, il reste encore la propriété de Michael Guichard, on verra ça tout à l'heure. Alors est-ce que la tactique de Macombou a fonctionné?
Ah ben absolument pas. Je dirais qu'entre ce qu'il peut déclarer au départ ou et quand on voit dans, pendant l'étape qu'il monte à la voiture, qu'il demande à ses équipiers qui sont devant, qui devraient derrière, de redescendre pour ensuite repartir de l'avant, c'est clair que c'est on est dans du n'importe quoi. Et je le dis et je pense qu'on est nombreux à le penser entre ce qui est décidé et ce qui est réalisé. Donc il y a un problème d'autorité sûrement dans cette équipe et puis il y a un problème de fonctionnement. Maintenant, est-ce qu'on veut faire gagner Boris Kerem? Les choses doivent être claires, mais pour l'instant, c'est à qui perd gagne. Fait beaucoup d'efforts alors qu'il aurait pu facilement dans toutes ces étapes gérer autrement, faire moins d'efforts et peut-être se retrouver ce soir maillot jaune. Et puis Francisco Mancebo a montré véritablement son, le bout de son nez aujourd'hui. C'est non mais c'est magnifique. Non mais je vous dis que c'est, j'ai eu la chair de poule parce que lorsqu'on voyait le mano à mano que se livraient les Salinas, les Karen, les Rivera, on avait l'impression que derrière c'était le désert et puis à l'arrivée dans la descente, voir que Mancebo est juste aux côtés de Karen, c'est fantastique. C'est du mental, c'est de l'intelligence de course, c'est un cran à tous les à toute épreuve. C'est un grand champion, Rudy. C'est aussi un grand seigneur. Hein, un grand seigneur, parce que Karen. Sur la chute de Karen, bon, il est un peu tombé, on peut raconter deux secondes la chute de Boris. Boris donc, est arrivé très vite dans un virage, il a freiné au dernier moment un peu tard, la roue s'est bloquée, donc il s'est couché. Par contre, il s'est relevé très très vite. Mais Mancebo, grand seigneur, on n'attaque pas un homme à terre, il l'a attendu, et ça, c'est la marque d'un grand champion. Eh bien, je vous propose d'écouter ce grand seigneur, Francisco Mancebo. Alors, comment a été cette étape? Oh, elle est très, très dure, très disputée l'étape, juste de départ. Tout le monde a joué son stratégie. Nous avons été toujours représentés dans l'échappée avec Milan, avec Guerrero, parce que lui, son vient aussi à la montagne. Mais finalement, nous avons arrivé tous ensemble jusqu'au début de col. Là-bas, l'équipe Salinas a été le plus fort avec Boris Kerem. Bon, nous avons monté, je crois, 400 coureurs ensemble et sur la descente a été le problème pour Boris Kerem. Mais finalement, lui a rentré. No? Ja dans le sprint, Salinas a été très, très, très fort, plus que moi et plus que Kerem. Mais je suis content pour la sensation, pour la condition, mais pas vraiment content pour le résultat parce que je vais gagner. Mais nous avons 5 étapes plus pour. Pour essayer. Il a encore toutes ses chances, Francisco Mancebo. Absolument, je dirais qu'il était impérial parce que lui, il court très juste, il ne fait pas plus d'efforts qu'il faut en faire, mais par contre, il les fait au bon moment. À 42 ans, on rappelle qu'il a 10 top 10 du Tour de France, il a quand même terminé 4e de l'épreuve il y a quelques années, donc c'est un coureur à qui on n'apprend plus le métier et qui pourrait en apprendre à tout le monde. Et il est clair qu'il, quand il court juste, il fait les bons efforts. C'est vrai qu'il a été battu, certes, au sprint, mais on va le revoir à la pointe du combat. Son seul problème, finalement, c'est d'avoir 42 ans et ne plus avoir les jambes de 20 ans, parce que là, je pense qu'il dominerait largement ce peloton. On en reparlera. Moi, je l'ai dit à Cédric et à d'autres. Pour moi, c'est mon favori. Et aujourd'hui, il a répondu présent. On n'en a pas parlé. D'ailleurs, dans la montée, on n'en parlait quasiment pas. Puis dans la descente, tout d'un coup, il était là, parce qu'il avait compris que c'était là, maintenant ou jamais. Il sait être là où il faut et... Eh bien, on dit bravo et c'est un champion. Et on se posait beaucoup de questions au sujet de ce maillot jaune à l'attaque depuis le début de ce Tour cycliste de la Guadeloupe, 68e édition. Michael Guichard, il est encore là, il a conservé son maillot. Alors là, il réalise encore un nouvel exploit parce qu'on l'a vu sur les images, il a cédé au sommet donc de... Céder sans s'affoler. Absolument. Il a monté à sa main, c'est-à-dire qu'il a compris qu'on ne va pas suivre un Salinas. Donc il a monté à sa main pour ne pas non plus s'exploser. Parce que suivre Salinas, c'est garantie explosion. Il vaut mieux gérer tranquillement à sa main et puis revenir parce que Salinas est un petit modèle. Donc dans les descentes, il est quand même le poids avantage, alors que enfin, ça le désavantage, alors que ça l'avantage dans les montées. Et puis Michael Guichard, on peut le dire maintenant, on doutait de ses qualités de grimpeur, il grimpe. Mais surtout, c'est considéré en métropole comme le meilleur descendeur du peloton. Et tous les coureurs disaient, mais quand il est revenu, il est passé devant nous. Il a failli faire d'ailleurs un tout droit. Mais c'est un grand, grand descendeur, champion de motocross, champion de ski. Donc aujourd'hui, il a encore montré qu'il avait une arme de plus, alors qu'il ne connaissait pas la descente. Parce que s'il avait connu la descente, je pense que là, il était avec les trois premiers. Donc il est là, il a bien grimpé, l'équipe a très bien géré. Il a encore le maillot jaune. Et on peut maintenant être sûr qu'il sera pas loin de l'arrivée finale. Il sera, s'il n'est pas lui-même en train de gagner le Tour, il sera aux toutes premières loges. Eh bien, je vous propose d'écouter le leader de ce Tour cycliste de la Guadeloupe. Il conserve son maillot pour une petite poignée de secondes.
Tu as montré quand même aujourd'hui que tu étais un costaud. Ça fait quand même 4 jours de course, 4 jours que tu es au taquet. Et encore aujourd'hui dans les mamelles, on attendait Maurice Carène, mais finalement c'est toi qui conserves ton maillot. Ouais, je pense que beaucoup de monde pensait que j'allais être lâché et perdre le maillot. Mais voilà, moi j'abandonne pas comme ça, hein. j'ai tout donné. Je donne tout jusqu'à la fin, moi je vais pas me laisser abattre par quoi que ce soit. Donc voilà, je perds 18 secondes, je pensais perdre quand même beaucoup plus aujourd'hui. Après voilà, si j'avais perdu le maillot aujourd'hui, c'était pas forcément une chose très grave, puisqu'il reste encore beaucoup d'étapes quand même avec des étapes encore très dures. Vous avez quand même une belle équipe avec vous, notamment Fournier Fayard qui vous aide bien. C'est surtout ça aussi qui fait notre force, d'avoir une équipe homogène comme ça avec Sébastien, Pierre, Thomas, Pierre Bonnet, voilà, qui font vraiment du gros boulot. Donc c'est aussi ça qui fait vraiment notre force sur ce tour. La suite du tour, c'est quoi pour le Team Proimo? Essayer de gagner encore des étapes si on peut le faire. Voilà, je sais pas si on a le maillot de Nicolas Thomasson, on verra bien. Après le tout c'est de se faire plaisir, voilà, sur le vélo. D'après faire la course, être offensif, se faire plaisir, être à l'avant, c'est ça qui compte. Et puis nous c'est ce qu'on fait depuis le début de ce tour, on voit que ça paye, donc on va continuer comme ça. On le voit, il est sincère, il est honnête, il bluffe pas, il aime ça. Il est rayonnant d'abord, on dit, il est en train d'éclore, c'est-à-dire qu'il prend conscience maintenant de son vrai potentiel. Il le savait, mais on ne le voyait pas à ce niveau-là. Pour eux, même son entourage savait qu'il était excellent. C'est sa première année dans le Team Imo Pro. Sachez quand même qu'il est opticien dans la vie, mais que maintenant on voit très clair dans ses qualités. Et à partir de là, il fait ses 35 heures, donc c'est un garçon attachant. Il vient de la Corrèze et à 15 km. Il habite Tulle, c'est le pays de Hollande, et de l'autre côté à 15 km, c'est le pays de Chirac. Donc dans le pays corrézien, il est un seigneur, il vivait dans un coin tranquille, ses parents sont des commerciaux, il a découvert le vélo après avoir découvert le motocross et le ski de descente, il s'épanouit et nul doute qu'on le reverra encore à plus haut niveau dans quelques temps. C'est pour ça qu'il se montre souvent. Absolument, enfin, il devient très clairvoyant sur ses capacités. Et on le voit souvent. Et on va prendre des nouvelles de nos amis de la Martinique, qui sur ce tour ont quelques difficultés, mais bon, serrent les dents. Quand même un fort dénivelé, pas mal de kilomètres. Une course qui a été contrôlée de main de maître par la formation qui seconde le maître jeune. Écoutez, je ne connais pas le bilan, qui gagne, quelle est l'issue du classement général, mais en tout cas, ils ont bien manœuvré. Et quant à nous, je pense que nous ne devons pas avoir de regrets. Nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir, nous avons fait de notre mieux pour rester bien placés à les endroits stratégiques. Et puis, écoutez, à la mamelle, on peut pas faire l'imposteur, c'est à la pédale. Donc voilà, je pense que le résultat est fidèle aux compétences des garçons. La sélection de la Martinique qui a quand même des ambitions au moins d'une victoire d'étape, qui va au moins chercher une victoire d'étape sur ce tour. Oui, je pense que ça c'est le minimum. Maintenant, on reste concentré, on garde le cap. Je pense que la course ne fait que commencer aussi. Je pense qu'aujourd'hui c'était le premier palier. Et puis voilà, je pense qu'un tour, comme je dis tout le temps, il est plein de rebondissements. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si c'était un rebondissement, c'était attendu. Mais en tout cas, les jours prochains, c'est sûr, il y en aura. Pas encore récompensé, mais Yolan Sylvestre est souvent à l'attaque quand même. Oui, c'est un attaquant, Yolan Sylvestre. C'est un garçon donc qui est complet, qui est baroudeur par nature, c'est un bagarreur. Donc quand il a les jambes, mon Dieu, ça fonctionne, et puis il attaque, et puis ça passe ou ça casse. Je dirais qu'il est arrivé avec une bonne crève, et c'est vrai qu'il avait du mal à respirer au départ du tour. Il se retrouve petit à petit, mais comme il me l'a confié ce soir, je n'avais pas beaucoup de jambes, donc je suis un petit peu en dessous de ma forme optimale, mais c'est un attaquant, donc dès lors qu'il va trouver l'ouverture et qu'il va retrouver les sensations, on le reverra parce qu'il ne cédera jamais. Michael Stanislas également s'est montré. Alors il s'est montré parce que lui aussi c'est un attaquant, donc on rappelle qu'il a remporté le tour et qu'il a aussi à Marie-Galante remporté une très belle étape. Je dirais que c'est un attaquant mais qui joue parfois à contre-temps. Hier il est allé devant alors que lui avait les jambes mais il n'avait peut-être pas besoin d'y aller. Et aujourd'hui il y est allé au début mais il a peut-être laissé un peu trop de jus, il y avait quand même 3 Martiniquais. Et je pense qu'il aurait pu gérer un peu plus à l'économie. Mais c'est vrai que c'est un attaquant qui a besoin d'être un petit peu cadré en disant attention. Mais quand on le lâche, eh bien, c'est un petit peu comme un cheval fou. Et quand il a les jambes, mais il ne s'arrête pas. Quant aux autres, on a vu Cédric Eustache à la peine. Malheureusement pour lui, je crois que moralement, c'est un petit peu difficile par rapport à des choses personnelles. Les deux autres, eh bien, ont joué. Alors Willy Roseau, c'est le meilleur Martiniquais, on le verra dans le général. Il est à son niveau pour l'instant. Quant aux autres, eh bien, Rago a fait son travail d'équipier. Quant à Kevin Nargit, il était un peu en retrait. Mais en tant que cas, la Martinique, comme ils l'ont dit très justement, elle va montrer le maillot.
ils sont encore bien placés. Bon, ils ne postulent pas, bien sûr, pour la victoire finale pour l'instant, loin de là. Willy, on va le voir, est dixième, mais ils se battront jusqu'à la fin. Je vous propose de voir le classement de cette quatrième étape longue de 155 km entre Goyave et Pointe-Noire avec cette belle victoire de Jonathan Salinas-Douquet. Voilà, donc Jonathan Salinas-Douquet l'emporte donc à une moyenne de pratiquement 39 km/h. Il bat au sprint, on l'a vu, Francisco Mancebo de Team Integra donc dans le même temps, Boris Karen donc troisième sur le podium de l'étape dans le même temps. Arrive pour la quatrième place donc Diego Milan, lui aussi donc à 12 secondes. Cinquième, Guerrero, donc il est dans le même temps. Diaz Espetia, donc le coéquipier de Boris Karen, est sixième dans le même temps à 12 secondes. John Navas, septième. Huitième, donc Mickaël Guichard qui termine à 17 secondes. Il a repris une minute donc dans la descente pratiquement. Pablo Guerrero est là également à 17 secondes. Et Bruno Langlois, qui est seul de son équipe parce que lui, il n'a plus de stratégie à mettre en place. Il n'a plus d'équipier. Eh bien, il est là, dixième à 17 secondes. Alors, seul dans son équipe, mais il s'en plaint pas, hein, il prend du plaisir. Ah ben, non seulement il prend du plaisir, mais d'abord il aime la Guadeloupe parce qu'il y a déjà réussi. Et puis, c'est un garçon tellement attachant avec son bel accent canadien. Il se prend pas la tête, il fait sa course, il se cale parmi les meilleurs, il a les jambes, il est là. Et puis, ben, il regarde la course, puis hier il a joué l'opportunité. Il se pose pas de questions avec d'équipiers qu'il n'a pas. Il regarde les autres, et puis, au milieu de tout ça, ben, il est là. Eh bien, nous, on va s'offrir une pause, vous qui êtes en Guyane, en Martinique, dans l'Île-de-France, grâce à Facebook Live ou tout simplement Guadeloupe. Restez avec nous, le tour revient dans un court instant. Ah.